suite des exercices sur les suites numériques, on nous donne une suite définie par une relation de récurrence et on nous demande de représenter graphiquement les quatre premiers termes de cette suite. Donc la première chose est de commencer à faire un tableau de valeurs, de calculer les premiers termes de la suite. Ici c'est réalisé avec un tableur, stylo papier, il faudrait le faire à la main. On avait U0 qui valait 2, et puis par la relation de récurrence, on calcule U1 qui vaut 2 fois 2 moins 1, 3, 2 fois 3 moins 1, 5 pour U2, 9 pour U3, et U4 qui vaut 17. On aura du mal à aller beaucoup plus loin pour faire la représentation graphique. Le graphique donne ceci, on se rappelle qu'en abscisse, on met toujours mes antécédents, si on raisonne en termes de fonction, et ici avec les suites, le nombre n, et en ordonnée, les images, et donc vn. Et donc, U0 vaut 2, on a donc le premier point qui est là, U1 vaut 3 ici, U2 vaut 5, U3 vaut 9, U4 vaut 17. On place des points sans les relier entre eux, puisqu'il serait stupide de calculer U de 1,5, U de 2,5. Mes antécédents ne sont que des nombres antinaturels, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on place des points espacés à chaque fois à l'unité, en abscisse n, en ordonnée vn, c'est une question extrêmement simple.